Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Ryoga et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble Pokémon Stadium, sorti sur Nintendo 64 en 1999. Alors Pokémon Stadium, qu'est-ce que c'est? C'est un... Voilà, je branche ma cartouche Game Boy Advance, Game Boy tout court, rouge ou bleu, dans le Transfer Pack, qui est un accessoire qui se branche à l'arrière dans l'espace gâchette. Et je peux avoir accès à mes Pokémon. Donc on voit que dans mon jeu rouge, j'avais une bonne équipe, Léviator, Mew et compagnie, et que je peux transférer des Pokémon directement dans la mémoire de la Nintendo 64. Et ça, c'était quand même génial quand on était un fan de Pokémon à l'époque. Et qu'on pouvait enlever des Pokémon de ces cartouches Game Boy pour les mettre ailleurs, tout simplement, pour pouvoir, pourquoi pas recommencer une partie. Et puis il y avait énormément de fonctionnalités dans ce jeu Pokémon Stadium, on va toutes les voir en détail, dont un Pokédex. Un Pokédex où on peut voir pour la première fois les Pokémon en 3D. Et ça, c'est génial quand on est, je le répète, fan de Pokémon. Donc voilà, ça c'est le Pokédex. C'est le Pokédex de mon jeu Game Boy. C'est donc là que ça se passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait de beau? On avait le palais des célébrités. Tout simplement, le Pokédex en mode 3D, une fois encore. Donc ça ne sert à rien, mais c'est pas grave, on est content. On va passer à la suite. Alors, le Colisée, le Club Junior. Alors, une aire de jeu, on va voir ça après. Je vous montre d'abord la tour d'Odrio, qui était aussi un super avantage de ce jeu Pokémon Stadium. Alors, ça va paraître bête pour certains, mais on pouvait tout simplement jouer au jeu Game Boy sur sa télé. À l'époque, vous aviez une Game Boy ou une Game Boy Pocket en 1999, lorsque Pokémon est sorti, donc uniquement en mode portable. Et là, on avait la possibilité d'y jouer directement sur la télé, ce qui pouvait être un certain confort de jeu. Mais surtout, on va le voir très vite, c'est qu'on avait la possibilité de jouer en mode accéléré. Voilà, ici on voit mode 1, 2, 3, d'où le mode audio, trio, duo. Donc là quand même ma cartouche d'époque, Pokédex 150 et 70 heures de jeu. Et donc, on a le jeu Game Boy, qu'on peut quitter évidemment, et on peut aussi l'accélérer. Et voilà. Alors pourquoi accélérer le jeu, me direz-vous? C'est un peu bête, mais pour tous ces jeux genre RPG, voilà, ça nous permettait d'enchaîner des combats à la chaîne. Quand on voulait leveler pour faire progresser des personnages. Parce que par exemple, là, mes Pokémon sont super forts, je sais que j'ai même pas besoin de regarder quelles attaques ils vont lancer, ils défoncent le Roucool et ils gagnent des points d'expérience. Donc là, on est au tout début du jeu dans le jeu Pokémon Rouge, Pokémon Bleu, donc évidemment les Pokémon sont très très faibles. Mais si je me balade un peu ailleurs, je pourrais sûrement trouver des Pokémon avec un niveau un peu plus élevé, mais pas trop gênant pour mon équipe. Alors je sauvegarde, parce que j'avais pris l'habitude de sauvegarder systématiquement dans les centres Pokémon. Je crois pas qu'on soit obligé, ou peut-être dans les premiers jeux on devait sauvegarder dans les centres Pokémon, mais je suis même pas sûr. En tout cas c'est une habitude que j'ai gardée, même quand les jeux Pokémon pouvaient tout simplement nous permettre de sauvegarder à tout moment. Et quand même, l'intérêt principal, disons-le, de ce Pokémon Stadium, c'est que c'est un jeu party game, avec plein de petits jeux qui étaient jouables jusqu'à 4. Donc là, pour la vidéo, malheureusement, aujourd'hui, je ne suis capable de vous montrer que le jeu en solo. Donc on va essayer tous ces petits jeux, donc au nombre de 9, et qui étaient assez drôles. En tout cas, j'en garde d'excellents souvenirs. Donc on va essayer de les refaire pour raviver notre mémoire et notre bonheur de l'époque. Alors, le saut de Magikarp. On doit tout simplement faire sauter le Magikarp le plus de fois possible. Donc moi je suis joueur 1 à gauche, j'ai pris un petit peu de retard, mais une fois qu'on a un bon timing, on devrait pouvoir s'en sortir. Voilà, je suis repassé devant. L'idée c'est vraiment d'appuyer au moment où le Magikarp retombe au sol, et il y a même possibilité de le refaire sauter voilà, beaucoup plus rapidement si je trouve le très bon timing, la microseconde ou réappuyer et le bon moment. Donc oui, c'est un jeu à la con, on est d'accord. Quand on joue à plusieurs et qu'on les enchaîne, ça devient très drôle. Mélofée a dit. Alors on doit pointer du doigt la direction montrée par le Mélofée. Donc encore une fois, un jeu très très simple, mais on va devoir mémoriser les directions. Mélofée. Gauche, gauche, haut, droite.
Alors avec la croix, gauche, 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 enfin gauche, gauche, haut, droite. Et après, il le fait automatiquement. Et on voit que voilà, les autres joueurs se trompent et perdent un petit peu de vie. Donc pour l'instant, je suis devant. Gauche, gauche, haut, droite, gauche, droite. Gauche, gauche, haut, gauche, droite, gauche. Mélofé, mélofé, mélofé. Ah, ça y est, bah non, je... Ouais, j'ai inversé les directions à la fin. Donc, attention, gauche, gauche, haut, droite, gauche, droite, gauche, bas. Gauche, gauche, haut, droite, gauche, droite, gauche, bas. Ben, on est bon. On est très bon. Alors, on n'a pas gagné pour autant. On est à peu près à égalité avec les joueurs 2 et 3. Gauche, gauche, haut. Droite, gauche, droite, gauche, bas, gauche, droite. Gauche, gauche, haut. Gauche, droite, gauche, bas, gauche, droite. Ok, deux joueurs éliminés. Gauche, gauche, haut, droite, gauche, droite, gauche, bas. Gauche, droite, droite, gauche. Gauche, gauche, haut, droite, gauche, droite, gauche, bas. Droite, gauche, droite, bas. Mélofé, mélofé, mélofé. Ah, il a perdu, il a perdu, il a perdu, il a perdu, il a perdu. Et moi, ça y est, je me trompe sur la fin. J'ai dû inverser les deux. Mais j'ai quand même gagné! C'était gauche, gauche, haut, droite, gauche, droite, gauche, bas, gauche, droite, droite, gauche. Ouais, c'est ça, je me suis trompé dans les deux derniers. Ensuite, nous avons cours, ratata, cours. Appuyez constamment sur A pour courir. Appuyez vers le haut sur la manette plus pour sauter au-dessus des haies. Bon, bah ça doit pas être très compliqué. Sauf que on n'est pas bien en face des tremplins. Voilà, je m'en suis pris un. Je suis en retard par rapport aux autres. La caméra tourne tout autour. Les joueurs sont en avance. Faut que je reprenne du terrain. Bientôt la fin. Ah, je crois que je reprends un peu du poil de la bête. Ouais, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est sur la fin où j'ai récupéré. Oui, donc pas évident parce que comme la caméra tourne, on voit pas forcément où on va et où d'où viennent les tremplins. Ensuite, Somniguerre. Appuyez sur A lorsque le pendule est au centre de l'échelle pour lancer Hypnose. Le dernier debout sera le vainqueur. Au centre, A. 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 Sa. Ga. A. Fri. Ka. En. Ambiance de la brousse. Bon ben, pour l'instant ça va, je commence à endormir mes camarades qui se loupent. Oh là là, ils s'endorment tous. Ça marche plus du tout, tout le monde s'endort. Sauf moi. Olé! Très 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 con comme jeu. Ensuite, Dingo Dynamo avec ce cher Pikachu. Lorsque la lampe est bleue, appuyez rapidement sur A, à savoir le bouton bleu, pour concentrer l'électricité. Appuyez sur B lorsque la lampe est verte. Donc bleu, bleu, vert, vert. Vert, 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 vert. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné parce que j'ai augmenté l'énergie. Ah bah c'est tout. J'ai augmenté l'énergie jusqu'au maximum. Ok.
Next. Bouffe et bouffe encore. Avec ce cher, j'allais dire, Gloop-tout. Alors, on doit manger des sushis et il y a des... Alors, j'ai pas eu le temps de voir les prix, mais... Évidemment, il y en a qui sont plus chers que d'autres, donc bon. Ne sachant pas exactement quels sont les prix, on va bouffer tout ce qu'on peut. Alors, c'est très drôle, parce qu'on a le... Ah, qu'est-ce que t'as voulu bouffer mon... Pousse-toi, il veut bouffer mon truc. Et... Ça ressemble évidemment à des Mario Party. Alors là, j'ai bouffé un truc épicé, évidemment, visiblement. C'est clairement des jeux, la Mario Party. Hein. Donc évidemment, à l'époque, il y avait eu les premiers Mario Party déjà. Ou qui venaient tout juste de sortir. Je sais plus quand est sorti le premier Mario Party. En 99, je dirais. Donc à peu près dans les mêmes eaux que celui-là. Mais il fallait évidemment que Game Freak fasse un party game avec, avec sa licence Pokémon. Bon, alors, j'y arrive ou pas? On ramasse des assiettes en fait. C'est comme dans les restaurants parisiens où on empile les assiettes dans les restaurants japonais ou avec les plats qui tournent. Bah j'ai pas gagné. J'ai pas gagné, je sais pas comment je me suis débrouillé, mais... Ensuite, nous avons Abo Arso. Si y a un jeu de mots, je le comprends pas forcément, mais tant pis. Alors, viser en utilisant la manette, donc le stick, et on vise, on lance l'anneau pour ramasser les taupes. Donc là, je me suis loupé. Moi, je suis la tête de Abo à gauche. Je vais essayer de choper celui au fond et je l'ai eu. Ensuite. Ouais, j'ai eu celui au fond. Pour l'instant, je suis devant égalité avec le joueur 3. Allez, pour moi ça. Ah non, le joueur 3 justement l'a récupéré. Alors, on peut... Évidemment... Oh, le doré là. Le doré, c'est plein de points. Ah, ben, c'est pas pour moi. Aïe, aïe, aïe. Qui l'a eu celui-là? Oh là là. On peut jauger où on envoie les cerceaux avec le stick. Il reste 25 secondes. C'est pas évident. Bon, je l'ai eu. 4. Égalité encore avec le joueur 3. Le doré, c'est pour moi. Raté. Allez, encore doré. Hop, oui. Yes, 2 points. Je passe devant. Oui, attention à 1 point de me faire rattraper par le joueur 3. J'envoie en plein milieu. À égalité avec le joueur 3. Allez, il m'en faut un. Oui, je passe devant. À la dernière seconde. Et Abo est tout content. Hey, salut. Hey. Jeu suivant. Oui, parce que vous devez vous demander, mais c'est quoi ce jeu? Qu'est-ce qu'il nous montre, Ryoga? Ah bah oui, un party game, d'une part. Ça, c'est un jeu complètement nul, enfin, vous allez voir. Un party game, d'une part, des fonctionnalités en lien avec les jeux Game Boy, qui donc étaient très chouettes, et on va le voir juste après, des combats. Alors, moi, je suis le... Comment il s'appelle? Le cocon fort. Et il faut donc se durcir, créer un bouclier juste avant que les pierres nous tombent dessus, sachant que actionner le bouclier en laissant appuyer, bah, ça consomme de la vie. Mais que se prendre une pierre, ça consomme beaucoup plus de vie. Et que si on voulait pas la jouer fine comme moi là actuellement, c'est mort. Voilà. Et ben, faut vraiment appuyer à la dernière seconde, relâcher le temps que la deuxième pierre, série de pierres, nous tombe dessus. Mais c'est trop compliqué pour moi, visiblement. Allez. Il en reste quoi? 2? Oui, donc... Ah non, il en reste un. Donc j'ai d'excellents souvenirs en multijoueur avec ces petits jeux-là, très très bêtes. Alors, creuse comme un dingue, LR. Allez, go! Tac, 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 LR, LR, lalalalalalala. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on va déterrer quoi? Un trésor, une source? C'est moi qui suis premier pour l'instant! On voit plus mon dos, et j'ai gagné. Oui, c'est... Je suis d'accord, c'est pas terrible. Bon, enfin bon, c'est rigolo quand même. On quitte. On quitte. Et alors, qui sera le meilleur? C'est quoi? Je pense que ça alterne tous ces jeux en fait. Donc on va pas forcément se les retaper.
Et enfin, on a le Colisée, qui est, on va dire, la partie la plus impressionnante du jeu, puisque ce sont carrément des combats de Pokémon en 3D. On a, on le voit, les différentes coupes, donc il faut passer les coupes de la Pokéball, la Super Ball, etc., etc. Donc c'est parti, je vous montre. Et on peut soit utiliser mes Pokémon de la cartouche Game Boy, soit utiliser des Pokémon que j'ai enregistrés sur la cartouche, donc là j'ai des équipes préenregistrées, ou alors carrément les Pokémon que j'ai déposés dans la cartouche. Donc cette cartouche Nintendo 64 contient des Pokémon de mes versions Game Boy. Ils sont bloqués à tout jamais là-dedans. Je sais plus si on pouvait les retransférer de l'un à l'autre. C'était les Pokémon Go, Pokémon Let's Go de l'époque. Et donc, je choisis 3 Pokémon sur les 6 dont je dispose. Je ne vois évidemment pas quels sont les 3 Pokémon que mon adversaire a choisi parmi les 6 qu'il avait. Je peux me faire une idée, mais c'est à nos risques et périls. Et c'est parti, tournoi Pokémon de Pokécoupe Master Ball. Quel talentueux dresseur remportera le pactole? Allez, c'est parti, avec un Pokémon Psy contre un Pokémon Eau. Normalement, je ne devrais en faire qu'une bouchée si je lui envoie soit mon attaque Rafale Psy, soit mon attaque Psycho. J'utilise Rafale Psy, et là, il va déguster. Et voici la première attaque. Ouh, puissant pour le premier tour. Puissant pour le premier tour. Eh bien, Bricka, ça l'a carrément mis KO. Dit le commentateur. Qui est traduit en français. Le jeu est traduit en français intégralement et le jeu est doublé en français. Oh voilà, un sacré départ en flèche. Et ça, c'est absolument génial. D'autant que j'adore le doubleur. Et voici Shumongongo. Je le laisserai parler après, hein, mais enfin, on l'écoutera après. Mais j'adore le doubleur, qui est en fait une des voix des dessins animés de l'époque. Je pense même à DuckTales, la bande à Picsou. Ça doit être la voix de Flagada Jones ou quelque chose comme ça. Mais c'est génial. Et puis ses commentaires sont à mourir de rire. Ah, un mauvais choix de Pokémon, on dirait. Eh oui, on dirait bien que... En un coup, je vais les défoncer. Je vais défoncer cette équipe. Le nombre de Pokémon de réserve est différent des deux côtés. Eh oui, et il y en a 3 d'un mon côté et il n'y en a plus qu'un de l'autre. Et voici Colossinge. Les Pokémon restants sont de 3. Eh oui, merci pour ce récapitulatif, Flagada Jones. Allez, on les défonce. Ah, quelle tristesse! Le transfert pack n'est pas branché correctement, éteindre la Nintendo 64 et vérifier toutes les connexions. Eh bien, oui, ma Nintendo 64 visiblement fatigue un petit peu, donc il peut y avoir des problèmes de connexion entre les différents accessoires, que ce soit l'Expansion Pack, alors qui n'était pas nécessaire particulièrement pour ce jeu-là, mais qui fait bugger la console parfois, ou carrément le transfert pack, puisque, je le rappelle, j'ai ma cartouche de Pokémon Rouge qui est dans le slot du transfert pack qui est connecté sous ma manette. Et donc, il faut croire que bah, ça vieillit tout ça. Ça vieillit et il y a des petites sautes. Voilà, la manette n'est pas branchée pour jouer à 2, donc on va se rabattre sur le Colisée et reprendre une petite partie, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Oui, la Master Ball, on reprend, il n'y a pas de souci. La Master Ball. La Master Ball! Et on va reprendre cette équipe qui, a priori, est tout à fait satisfaisante. Donc, c'est pareil. Il choisit, je choisis. J'ai quand même de très très bons Pokémon, donc... Et c'est parti, tournoi Pokémon de Pokécoupe Master Ball. Quel talentueux dresseur remportera le pactole? Eh bien, ce sera moi, évidemment. Quelle question. Donc, il faut remettre dans le contexte de l'époque, mais c'est quand même super impressionnant. À l'époque, une attaque sauvage, ah bah dis donc. On passe directement de Pokémon Rouge et Bleu en 1999 à des combats de Pokémon en 3D sur la Nintendo 64. Et c'est pas dégueu du tout. C'est même tellement pas dégueu que si vous faites bien attention, les animations des Pokémon sont très soignées.
elles sont très soignées et elles sont carrément plus soignées que les jeux qu'on peut suivre ensuite dans la série principale. C'est-à-dire que ce soit Pokémon X et Y en 2013 ou même le prochain Pokémon Épée et Bouclier de 2019, les animations des Pokémon ne sont pas aussi soignées. Elles ne sont pas autant personnalisées pour les Pokémon quand qu'ils se fassent toucher, qu'ils réagissent, qu'ils lancent une attaque ou voilà, qu'ils souffrent et rentrent dans leur Pokéball en pleine souffrance. Vous n'avez pas ça dans les jeux actuels. Et ça, c'est totalement incompréhensible. Je pense qu'ils ont voulu taper un grand coup à l'époque sur Nintendo 64 pour faire vendre la Nintendo 64. Et maintenant, ils n'en ont plus rien à faire. C'est beaucoup trop de boulot. Il y a beaucoup trop de Pokémon. Et ça leur est totalement impossible, avec les 800 Pokémon, de soigner autant les animations des Pokémon, alors qu'à l'époque, il n'y en avait que, entre guillemets, 150. Mais regardez, toutes les animations sont magnifiques. Alors qu'aujourd'hui, bah les Pokémon, ils sont là, ils ont leur animation de, on va dire, sur place, ils font du sur place. Et après, bah, ils reculent juste d'un cran s'ils sont touchés. Et quand ils meurent, bah, y a un éclat de lumière, ils rentrent dans la Pokéball, ils rétrécissent, quoi. Ils sont pas en train d'agoniser, de faire « Oh mon Dieu, je suis en train de mourir, je souffre !» Non, non, rien de tout ça. Donc c'est ça qui est assez bluffant quand on rebranche ce Pokémon Stadium, c'est de voir à quel point les gens de Game Freak sont fainéants. Oui, il faut le dire. Olé ! Je voulais au moins finir le combat. C'est une victoire totale! Et donc, ainsi de suite. Bah, l'idée, c'est que, voilà, on fasse tous les badges les uns après les autres des 8 arènes pour pouvoir remporter la coupe. Bon, après, évidemment, quand vous avez une super équipe comme celle que j'ai actuellement, c'est facile de progresser. Quoique, on est quand même dans la Master Ball, hein, donc il devrait me montrer un petit peu plus de résistance assez vite. On peut voir qu'ils ont un Elector, un Electro, un Voltal. Donc il a principalement des Pokémon électriques. Donc moi j'ai intérêt à prendre soit un Pokémon électrique, histoire d'avoir le même niveau et pouvoir respirer. Quel type de combat va-t-on découvrir en route vers la deuxième reprise? Allez, et un peu de Sulfura. Voilà, un combat de Pokémon légendaires, les oiseaux légendaires, qui sont magnifiques. Regardez-moi ces animations. Se prépare à attaquer. Alors qu'Edge Éclair, malheureusement, ça peut marcher. Ça peut atteindre mon Elector, voilà, qui du coup se retrouve paralysé et a une chance sur deux d'attaquer le tour suivant. Ah, il est complètement paralysé. Et oui, il ouvre la bouche de dépit. Il jauge leurs forces respectives, tout à fait, merci le commentateur. Il n'y a pas d'objet, donc je peux pas guérir. Changement de Pokémon. Je peux pas guérir le Pokémon, donc il faut que je change. Oh là là, joie et allégresse à la Kazam! Mon Pokémon le plus fort, évidemment. Une attaque vigoureuse, oui. Je vais peut-être le laisser parler. Paf dans les dents. Et ouais. Comment ce nouveau Pokémon va-t-il combattre? Ben, je n'en ai aucune idée. Et maintenant? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, son point sensible est touché! Ah bah tant mieux. Mais ça n'est pas fini pour autant. Une fantastique fatale foudre! Ah, mais il est déchaîné, ce commentateur! Je suis presque mort! Oh, cette bataille est une tempête! C'est une tempête de pouvoir, oui, on est d'accord! Allez, je vais me soigner. Il regagne ses points de vie! Je régénère un maximum de points de vie, histoire de me laisser un petit peu d'avance sur cet Elector. Ah, il s'envole dans le ciel. Ah, bah grand bien lui fasse. Donc du coup, je vais encore me soigner, parce que ça veut dire qu'il n'attaquera qu'au tour suivant. Les combattants se font face. Il regagne ses points de vie. Et hop. Non mais jusqu'au bruitage, le bruitage des ailes, c'est pas dans les derniers Pokémon que vous allez voir des bruitages spécifiques à chaque animation de Pokémon. Bah y'en a pas d'animation de toute façon, pardon, j'ai rien dit. Allez, au revoir. Oh, la voilà KO. Ok,
Quel Pokémon va combattre? Et voici Noah Coco! Mais c'est une joie de vivre ce jeu. Le commentateur met tellement d'entrain. Rien n'est encore joué. Non, rien n'est encore joué, c'est certain. Il se met en position de combat. Il regagne ses points de vie. Allez, je joue le timing. Je joue le timer. Allez, il y a une vampigraine. Oh, la vampigraine! On est bien d'accord. Ouais, c'est touché. Eh ouais. Ah, aucun d'eux ne sait se dominer. Eh non. Il se prépare à attaquer. C'est une attaque psycho. Quelle sera la suite? Oh, plutôt faible. Oh bah, excusez-moi, on fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai que l'Alakazam ne va pas être très fort contre un noix de coco. Que va-t-il faire? Wow, c'est raté. Eh ouais, tant mieux. Ah, le combat acharné continue. Bon, bah, il faudrait peut-être que je change de Pokémon et on va peut-être reprendre le Sulfura. Et maintenant? Parce que clairement, le Pokémon feu contre le Pokémon plante, c'est la bonne tactique, mais mon Sulfura, il est paralysé, donc il y a une chance sur deux qu'il attaque. Bon, alors là, il pourra pas le paralyser plus qu'il ne l'est déjà. Mais regardez-moi ces animations, ces effets! Ce changement de Pokémon va-t-il changer le déroulement du combat? Ah, mais j'y compte bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, une vampigraine, cher commentateur! Donc je suis paralysé et infecté! Heureusement... Je vais le défoncer! Ah, c'est super efficace! Bah ouais, je veux mon neveu! Ah ouais, carrément! Et le voilà dans les vapes! Mais c'est incroyable, la richesse des dialogues, le gars a passé des jours à enregistrer des répliques! Le Pokémon restant est bien différent! Eh oui! Ah bah alors, excusez-moi, un Florizarre, là, franchement! Les Pokémon restants sont de 3! Hein. Un combat inégal, s'il en est. Eh oui, un combat inégal, s'il en est. Il a augmenté son spécial. Ah, mais il peut augmenter son spécial autant qu'il veut, ça ne me pose pas de problème. Ah, il est complètement paralysé. Eh oui, bah, c'est mon point faible. Oh, cette rencontre est explosive. Ah bah, moi, c'est, j'en peux plus, j'ai les nerfs en plot. Hein. Oh, il améliore encore son statut. Mais il ne recule devant rien. Ah, il ne peut toujours pas bouger. Oh, le public vibre tant la rencontre est impressionnante. Oui, regardez ce public au fond. Les combattants se font face. Cet amas de pixels. Et il n'attaquera pas cette fois-ci. Ah bon, bah... La semaine prochaine, alors. Encore une fois, il est immobilisé. Il se repose. Il n'est pas immobilisé, il se repose. Oh, cette bataille est une tempête. Une tempête de feu, oui. Il se met en position de combat. Bah, il vaudrait mieux. Il se concentre sur son statut. Je sais pas ce qu'il cherche à faire, mais... Allez, salut! Ah, une attaque sauvage! Très sauvage. Son point faible en prend un coup. Ah, mais il l'encaisse pas mal. Oh, cet affrontement fait des étincelles! Ah, oui, c'est un combat enflammé, hein. Les ordres sont donnés. Oh, il améliore encore son statut. Mais à quoi bon? Ah, il est complètement paralysé. Ah, on va pas s'en sortir, Gertrude. Ah, les deux Pokémon semblent être en pleine forme. Ah, je suis bien d'accord, Thierry. On demande un changement de Pokémon. Bah oui, il faut bien que j'essaie de faire bouger la situation. Et voici Fantomimus. Eh oui, c'est ma carte maîtresse, tu t'y attendais pas ça, hein? Oh, plaquage sur un Pokémon! Et maintenant? Mais oui! Wow, c'est raté! Bah, c'est raté, tu peux rien faire contre un Pokémon, Spectre! Va-t-il changer le déroulement du combat? Ah, le combat va bien changer. Je vais lui envoyer une onde de folie où je vais l'endormir. Je vais lui bouffer sa vie. La folie est relâchée! Il est devenu dingue! C'est moi qui vais devenir dingue! Oh là, il devient dingue! Bah oui, il s'attaque lui-même, quelle idée! Puis il a des yeux un peu... Les amis, cette rencontre est bouillante! Elle est bouillante, elle est... Oui, oui, elle est chaud bouillante.
Une attaque psycho. Ton spécial a diminué. Ah, bah bien fait, tiens, paf. Il est toujours confus. C'est ce qui arrive quand on dort pas. Regardez-moi ces cernes. Ne se laisse dominer. Allez, on l'endort maintenant. Une intrigante hypnose. Oh, c'est juste quelques somnifères, vous savez, hein. C'est pas rien de bien sorcier. Il s'est endormi. Comment cela va-t-il influer sur le match? Bah, ça va pas l'aider. Et maintenant, je lui bouffe ses rêves. Le dévorève, un vrai cauchemar. Mention 10 sur 10 pour le doubleur. Hein. Allez, Vampigraine. Non, mais il a plus le Vampigraine maintenant, je crois. Oh, il est toujours immobilisé. Il fait un gros dodo. Cette bataille est une tempête. Et ça. Ouais, et ça. Ouais. Ah, c'est super efficace. Et ça, tu l'as pas vu venir. Allez, il reste 3 points de vie, ça suffit maintenant. Ah, il s'est réveillé. Oh. Ah, le combat acharné continue. Ah, il est acharné ce combat, personne ne veut lâcher. Hein. Allez, salut. Un choc de psycho. Ouais, c'est touché. K.O. Mais il s'est bien battu. Ouais, on doit quand même rendre à César ce qui est à Jules, c'était un beau combat. Et ainsi s'achève la rencontre. Bon voilà, c'était quand même histoire de vous montrer un combat un petit peu plus relevé. On va passer à la dernière partie du jeu que je peux vous montrer. La coupe élite, avec des Pokémon non plus de niveau 50, mais des Pokémon de niveau 100. Et cette fois-ci, je vais utiliser mes propres Pokémon, puisque j'en ai deux qui sont de niveau 100, et ne serait-ce que... aussi utiliser mes Pokémon préférés, à savoir mon cher Mewtwo, qui s'appelle Mew, hein, allez comprendre pourquoi. Bah c'est bon, je choisis tout le monde là. Allez hop, on choisit les 6, et on verra comme ça le beau Mewtwo en action. Mewtwo contre un Pokémon insecte, deux Pokémon insectes, un Pokémon feu, un Pokémon... feu, deux autres, et des deux Pokémon normaux, donc je ne vais en faire qu'une seule bouchée. Vous y voici. Tournoi Pokémon, Coupe Elite Master Ball. Quel dresseur rentrera chez lui avec le trophée des champions en poche? Allez Mewtwo, montre-leur de quoi tu es capable. Il se prépare à attaquer. Ah, onde folie, c'est pas cool. Est-ce que Mewtwo va résister à cette attaque? Et non, malheureusement, il devient dingue! Que va donc faire le dresseur? Eh bien, il envoie quand même son attaque, parce qu'il a un mental très très fort. Oh, cette rencontre est explosive! Alors, on voit que mon Mewtwo est niveau 71, et que tous mes adversaires vont être niveau 100, donc... je pars un petit peu avec... Et maintenant, méga défaut! Méga défaut, ouais... Qu'est-ce que c'est que ça? La même attaque. Ah, dans les dents. Oh, il est à terre. Et bim, salut. Quel Pokémon va faire son entrée? Oh bah moi je garde le même. Hein. Il me va très bien mon Mewtwo. Et voici Oratatak. Ah, celui-ci a l'air en pleine forme. Ah, la stratégie va-t-elle effacer la différence de niveau? Ah, je n'en sais rien Gérard. Alors j'ai une attaque soin, je crois, donc de toute façon, ça devrait aller. Il faut un coup et s'enterre. Ah, cela a annulé sa folie. Le fait qu'il se mette sous terre, ça a annulé sa folie, oh, je crois pas. Hein. C'est raté. Ah, le combat acharné continue. Oh là là, ce combat. Vous m'en direz des nouvelles.
Alors, j'ai aussi mon Dracaufeu et mon Léviator. On va quand même montrer un petit peu les deux autres Pokémon. Ouais, qu'il est beau mon Dracaufeu. Quelle sera la suite ? À manquer ! À manquer, pourquoi ? Parce que je suis trop fort ou parce que c'est un Pokémon qui vole ? Je sais plus. Les combattants se font face. Allez, on le défonce ! Déflagration ! Ah oui, c'est un coup très très vicieux. Ouh, ça fait très très mal aussi. Que va-t-il faire ? Et c'est un coup puissant ! Regardez l'animation du Rattatak. On sent le rat qui claque des dents là. Et qui est tout nerveux. Elle utilise sa force ! Oui, tiens, prends ce caillou dans la figure. Ah bah ils font plus que diminuer. Hein. Le nombre de Pokémon de réserve est différent des deux côtés. C'est ce qui s'appelle une victoire, monsieur. Ah, et voici Tardarian. Les Pokémon restants sont de 3 à 1. Un combat inégal, s'il en est. On demande un changement de Pokémon. Allez, pour le plaisir, on montre Léviator. Et voici Léviator. Mais qu'il est beau, mon Léviator, oh, qu'il est beau. Ah, Ultra Laser en face. Et maintenant. Mais génial quoi, l'animation. L'animation d'Ultra Laser, c'est pas juste un laser qui débarque de nulle part, du Pokémon qui bouge pas. C'est, il se met en position de combat. Il se prépare à attaquer. Ah, il ne peut toujours pas bouger. Bah oui, ça fatigue. Ah, une attaque sauvage. Ah, aucun d'eux ne se laisse dominer. Allez, on termine par un ultra laser dans sa face. Et voilà. Et puis voilà, angle de caméra différent. C'est pas tout le temps les mêmes angles de caméra. Il y a une grande variété. C'est quand même super appréciable. Très belle réalisation au niveau des combats. Je rappelle que derrière, on a eu. Pas sur GameCube avec les très bons Pokémon Colosseum et aussi intéressant XD, on a eu le Pokémon quoi, Révolution sur Wii qui était pitoyable, vraiment pas la cheville de celui-là quoi. Celui-là il y avait des mini-jeux, une compatibilité Game Boy et des superisations de combat tout à fait valables à l'époque. Voilà, bon bah écoutez, c'était un plaisir de vous montrer Pokémon Stadium sur Nintendo 64. Un jeu très sympathique. Et je vous dis à très bientôt. On se fait un petit peu de Pokémon Stadium 2 très bientôt, si vous voulez bien. Allez, salut !